Jamila, fais attention où tu... Qu'est-ce que... c'est? C'est vivant? C'est magique? C'est un ballon. Je l'ai eu à un pique-nique. Je me suis dit que tu voudrais le voir. C'est tellement léger. J'en ai pris un peu plus. Tada! Wow. J'ai pensé qu'on pourrait les vendre au marché. Tu veux dire que ça, ça devient ça? C'est de la magie? Quelqu'un a dit magie? Alors quelqu'un a besoin du génie. Ce n'est pas la peine d'applaudir. Oh, bon, d'accord. Oh, tiens, génie. Tu peux les gonfler. Celui-là. Est-ce que tu sais comment on souffle dans un ballon? Bien sûr que je sais. Regarde ça. Tu vois? Non, on met l'air à l'intérieur du ballon. Bien sûr. C'était pour te tester. Celui-là. J'avoue que je suis carrément le meilleur. J'espère que les gens voudront les acheter. Oh, un ou deux, oui, j'en suis sûr. Combien tu penses qu'on peut demander ? Je dirais 4. 4, c'est mieux. 4? Non, c'est beaucoup trop. 2 maximum. Quelle est la magie qui s'empare de Bagdad aujourd'hui? Mais qu'est-ce que ça peut bien être? Qui sait? Peut-être de splendides joyaux venus des sept mers. Ou de petites lunes sur une ficelle. Ou des bijoux surnaturels en route pour le palais. Oh, là, juste là! J'entends le vent murmurer. C'est notre emplacement, porte-bonheur. Je désire avoir le verre. Combien? 2 dinars. 4! J'achète. D'accord. Voilà. Je voudrais le jaune, le rouge et le rose. 12 dinars, s'il vous plaît. Merci. Est-ce qu'ils portent bonheur? Ils apportent un bonheur fou. Oh, dans ce cas, j'en veux 5. Tenez. Merci. Merci, merci. Merci. Regarde, c'est le dernier. Vos mystiques globes ont piqué l'intérêt de la princesse. Oh, c'est votre jour de chance. Ce ballon est parfait pour une princesse. C'est 20 dinars. Ou peut-être 10. Oh, c'est gratuit. Nous en faisons cadeau à la princesse. Bon. On a réussi. Wow. Ouais. Mais il aurait dû payer. Les vizirs ne payent jamais. Bah. Alors, la moitié pour toi, la moitié pour moi. Oh. Regarde, Aladdin, ils sont tous si contents. Alors, comment tu vas dépenser ton argent? Je sais pas.
Un palais en pain d'épices? Ouais, et un jardin plein d'arbres à argent. Ouh, avec une cascade en chocolat. C'est pour vous, votre majesté. Cela s'appelle... ballon. Merci. N'est-ce pas l'objet le plus étrange que vous ayez vu? Votre Majesté! Les princesses ne gambadent pas, elles ne cavalent pas comme des ânes. Vous avez raison, j'oubliais. Êtes-vous une vandale? Êtes-vous une vagabonde des rues? Non. Alors abstenez-vous de vous comporter comme telle. Pensez à votre cher père. Alors, que puis-je en faire? Vous pouvez le regarder. Oh, son ballon a explosé. Comment ça, explosé? Il a éclaté, ça arrive parfois. Tu es en train de me dire qu'on a vendu des ballons qui explosent à la moitié de Bagdad? Ils vont tous vouloir qu'on les rembourse. Ah oui? Tu crois que ça les dérange? Bien sûr que ça les dérange. Et on en a vendu un au grand vizir, qui va le donner à la princesse. On ne l'a pas vendu. Il l'a eu gratuitement. Cache-toi. Aladdin ! Vous pouvez vous promener dans le jardin si vous voulez. Doucement. Ce n'est pas amusant. Quel est l'intérêt d'avoir un ballon si je ne peux même... Ensorcellement ! Sortilège ! Si seulement vous pouviez voir votre tête ! Aladdin ? Où es-tu ? On ne peut pas rester ici éternellement. Mais chut ! Jenny, tu nous entends ? À l'aide, Jenny ! Je suis là, ô maître, aux gros ennuis. Ah, tu m'écrases le pied! Ces enfants ont intérêt à me rendre mon argent! Pas de panique! Je vais nous sortir de là! Je suis venue voir les personnes qui m'ont donné ça. Comme vous... Je suis venue pour les remercier personnellement d'avoir introduit les ballons à Bagdad. Ils sont magnifiques. Et puis... Oh, je ne peux pas m'arrêter de rire. C'est vrai, j'ai ri aussi quand ton ballon a explosé. Et j'ai ri de toi. Oui. Êtes-vous ceux que je dois remercier? Oui, c'était bien moi et Jamila. Bonjour, Votre Altesse Royale. Merci de m'avoir apporté tant de joie. Je crois que le grand vizir aussi s'est diverti. N'est-ce pas vrai? Maintenant, si vous voulez bien me suivre, j'offre le thé à la menthe dans mon jardin. Ouh! Si vous avez un ballon éclaté, vous pourrez avoir deux tasses. Ouais. Ah, mon ballon a éclaté. Vous avez vu la façon qu'elle a de me regarder? Vous croyez que mon ballon a capturé son cœur pour toujours? Et mes cheveux, ça allait?
Ce boss de chameau, même ma magie ne pourrait rien y faire. Ah oui? Eh ben le dernier au jardin est un œuf pourri. Nous y allons. Oh, princesse au ballon éclaté. Allons. Toutes les histoires ont une fin. Et Jamila fut bien forcée de quitter Bagdad. Elle était heureuse de rentrer et retrouver sa famille, mais elle avait déjà hâte de vivre de nouvelles aventures aux côtés d'Aladin et de son incroyable génie, moi.